t'es un Avenger ? Salut tout le monde, c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Marvel's Avengers, on va poursuivre notre aventure, on reprend avec Kamala, exactement là où on s'est laissé. Alors, on va faire un petit peu d'exploration. Là, il se cache peut-être dans cette pile d'équipements super cool des Avengers. Allez Kamala, il faut que je trouve un indice. Je crois que ça appartenait à Thor. C'est peut-être un levier secret ? Une bonne petite chopine. Hop, un peu plus vite. Une pépite. Une pierre de l'infini. Pourquoi exposer de la pyrite quand on peut se payer ce qu'il y a de mieux ? Faut que je continue de chercher. Alors ? Ah oui, si je... faut pas relâcher. Un petit coffre ! Mais oui ! Parfait. Alors je vais peut-être pas faire trop d'améliorations dès que je change d'équipement, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors. Le Mark 1. Est-ce qu'il compte passer pour tout ça un jour ? Excellent. Donc tout ça on avait déjà vu lors de la bêta. On peut pas bouger tout ça, non. Par contre on peut passer là au-dessus. Coffre ici. Yes, encore un insigne, vous voyez. On en a facilement. Ah, le bouclier de Cap. Le premier bouclier de Cap. Il était exposé au Heyday. Tu n'ouvres pas de passage secret, si ? Ça valait le coup d'essayer. Y'a quoi là-bas ? Attention. Photo de famille. Regardez-moi cette classe. C'est Hawkeye qui est au sol ? Je me pose la question. Maintenant, faut que je trouve Hulk et qu'on fiche le camp. Qu'est-ce que tu as là, vermine ? Ah, l'abomination. Et si tu me donnais ce que tu tiens ? Tu peux toujours essayer. Très décevant. Souhaite un bon retour parmi nous. Ça a pas l'air d'aller très fort. À toutes les unités, trouvez la fille et poussez-vous de mon chemin. Je vais t'éclater, Emile. T'inquiète, Emile Blonsky. On peut voir dans le film The Hulk. Tu es différent. Alors. Oula, 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 mais pourquoi j'en prends autant ? Voilà. Éclater ça. On va reprendre un petit peu de... C'est à cause de Banner, pas vrai ? De sa culpabilité ! Viens par là, mon gros. Allez. Pense-moi dessus.
Aïe. Ouh, je me suis éclaté. Allez. Allez. Oh, je suis dans l'ombre, je vois rien, putain, ça me pète les yeux. Hop là, raté. Tiens, prends ça. Du mal avec la traduction, t'as rien entendu. Attention, ça va piquer. J'ai trouvé le plan des archives. C'est notre porte aux jambes. J'ai hâte qu'elle se joigne à nous. Ouais, ça. Tiens. C'est ici que j'ai évolué. Allez. Bon. C'est ça. Tout part en vrille. Ça explose de partout. Il y a de la vie, je vais aller en prendre un petit peu. Viens mon gros, viens par là. Ouh. Allez. Oula. Ah bah voilà. Au revoir Emile. Donc si vous voulez voir l'abomination dans les films, je vous invite à voir le film Hulk avec Edward Norton. Et incarné initialement Bruce Banner. Est-ce qu'il est mort ? Où est-ce qu'on est, là, au fait ? Bon, toute seule.
Montre-moi tes secrets. Sujet 705. D'après notre scientifique en chef, nous avons réussi la rétro-ingénierie du Terrigène. Mais... Attendez, s'il vous plaît. Du calme. Dans un moment, tout sera fini. Administrez le remède. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous lui faites mal! Cellule stabilisée. Cellule stable. Pitié. Pitié, s'il vous plaît, arrêtez. Oh, ils ont réussi à inverser le... Waouh. Où est-ce que je suis? Le résultat est prometteur. Le sujet 705 a très remarquablement récupéré et sera surveillé les prochaines 24 heures. Félicitations. Vous êtes guéri. Quoi, mais c'est impossible. Il faut qu'on sorte d'ici. C'est trop dangereux. Ouais. Bien sûr. Un décalage avec les sous-titres. Bon, bah, si tu veux, tu peux rendre l'endroit un peu plus... douillet. Oh, merci. Et... ça va ? J'ai pas l'habitude de te voir aussi calme. Oui, c'est rien. Ok. Ok. Bon, bah... ok. Et si c'était vrai ? Pardon, tu disais ? Le remède. Si c'était vrai, enfin... ça a l'air d'être vrai, mais... si je pouvais redevenir normal. Eh ben, tu sais, ça marche pas comme ça. Tu les as bien vus, non? Ça a l'air de faire très mal, mais... peut-être que ça vaut le coup. Kamala. Je m'étais jamais intégrée avant. C'est vrai, j'admirais tellement les super-héros et... je me disais que si... si je pouvais gagner ce concours d'écriture de fanfiction, je sais pas, tout serait peut-être plus... ah, peu importe. Regarde-moi. Je suis un monstre. Mais non, t'es... différente. Unique. Tu as vu ce que tu as fait. Faut être très courageux pour faire ça. C'était stupide. Mais très courageux. Et... peu de gens en seraient capables, tu sais. Le bien, c'est pas ce qu'on est. Hein? Non, c'est rien. Merci. Cette pièce est très bien. D'accord. Où elle le sera. D'accord. Enfin, oui. Elle est plutôt... chouette. Ouais, merci. Ok, j'ai des choses à faire. Merci. Ok. D'accord. Bravo, Kamala. C'était pas gênant du tout. Pas du tout. Et maintenant, j'ai ma propre chambre dans le chimère. Je crois rêver. Il va falloir nettoyer un petit peu, hein. Bon, on va explorer la nouvelle chambre de Kamala. Je parie que la vue devait être superbe quand cet engin volait. Peut-être m'étonne. Que Monsieur Stark peut encore le réparer. C'est vraiment le bazar ici. Je pense qu'ils utilisaient cet endroit comme entrepôt. Bah maintenant c'est ta chambre. C'est mieux.
Je me demande qui logeait ici avant. Je devrais aller parler à Bruce. Ou alors, je pourrais explorer un peu plus maintenant que certaines portes fonctionnent. Et lui laisser le temps d'oublier qu'il m'a vu pleurer. Alors... Oh, Iron Man. Je viens de pas... J'avais pas fait gaffe dans la bêta qu'il y avait des logos sur les portes. J'avais vu le A d'Avengers sur la porte là-bas, mais pas ici. Thor, excellent. Black Widow. Hulk à côté. Là, on a qui? Hawkeye. Waouh. Là, c'est le labo, du coup. Avec un petit coffre ici. Ok. Il faudrait faire pousser des herbes ici. Du basilic, du thym, peut-être de l'origan. Ah. De quoi se nourrir, quoi. C'est quoi tout ça? J'avoue, j'en sais rien. On le saura prochainement, je pense. Oh, un coffre ici aussi. Fragment, veste. Pas moins bien, mais c'est pas mieux. Alors là, plus 3% de niveau héroïque, et là, plus 5% et 7 défense. Faites ça, hein. On va recycler le reste. Ok, très bien. Ok, donc là on a fait le tour, donc on va prendre le portail Avengers. Eh ben, il y a encore un coffre. Des bracelets, très bien. Même sympa, hein. Énorme le site. Il y a des coffres dans tous les sens. Oh! Un signe super puissant. Alors déjà là... Ah, plus d'attaque et de défense. Bah écoutez... alors, ça baisse le niveau de défense. Par contre, augmente le niveau d'attaque à distance et le niveau héroïque. Pas mal quand même. Mais on perd en défense. Là, il n'y a pas de bonus. Et là, les dégâts des attaques puissantes sont accrus de 17%. Hop. Ok. Des fois, on va perdre un petit peu en stats, mais le bonus qui sera avec sera intéressant. Hé, hey Bruce. Désolé pour... T'en fais pas. Je comprends. T'as pu trouver tu sais qui? J'allais justement me pencher là-dessus. Tu peux me donner un coup de main de l'autre côté? Appuie sur ce bouton. On y va. Bon, voyons ce qui se passe. Bonjour, Dr. Banner. Oh, wow! On a réussi! L'ami informatique super génial de Tony Stark. Oh, je ne suis qu'un simple système doté d'une intelligence hors norme. Ravi de vous rencontrer, mademoiselle. Kan, mais tu peux m'appeler Kamala. C'est un plaisir, mademoiselle Kamala. Qu'est-ce qui se passe? Le terminal de mission n'a pas assez de jus. Le système est en verrouillage d'urgence. On dirait que j'ai déclenché les capteurs de sécurité quand j'étais dans le labo. On va devoir les désactiver. Je m'en occupe.
trop génial. Ça aurait sa place dans un musée. Ok. Allez, on va essayer... Ah bah, il y a encore un coffre ici. Bon, c'est magnifique. Nouvelle veste. On peut passer là ou okay, pas Bruce. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois utiliser la console qui est sur la table du labo pour désactiver les capteurs. Erreur fatale. J'aime bien le smiley qui tire la tronche. Il va juste falloir que tu désactives les capteurs de sécurité manuellement. Ce sont des petites lumières rouges. Comment je suis censée les atteindre? Tu plaisantes? Ah, oui, c'est vrai. Je peux étirer mes bras. Tiens. Ok, c'est facile. Tu sais, dans une de mes histoires, Iron Man doit détruire des lampadaires pour que Black Widow puisse infiltrer une base de l'hydre. Ah oui, génial. Je pensais pas qu'un Avenger était vraiment censé faire ça, tu vois. Enfin bon, je suis pas vraiment un Avenger. Génial, ça a marché. Woohoo! Reviens ici. T'es presque petite. Ah. J'ai raté l'info. Tant pis. Le terminal est par là-bas. Bien joué, Kamala. Jarvis, on doit trouver Tony. Jarvis ? Je lance la recherche. Oh non, on dirait qu'il y a un problème, Dr. Banner. J'aime pas ça. Oh non. Il semblerait que ma liaison neurale ait été endommagée lors du crash du Chimère. C'est une technologie exclusive du Shield. Sans elle, je ne peux pas accéder à la base de données globale. Du Shield ? On va appeler Maria. Maria Hill ? C'est elle qui dirige le Shield maintenant ? Plus ou moins. Personne ne sait ce qui est arrivé au directeur Fury. Il est la seule en qui nous pouvons avoir confiance. Bruce, contente de vous voir. Après ma confrontation avec Hulk, je n'étais pas sûre d'avoir de bonnes nouvelles. Oui. Je vous présente mes excuses. Hulk traverse une période... difficile. Vous n'avez pas à vous excuser. Nos vies se sont effondrées ce jour-là. Mais je suis contente de voir que les Avengers se reprennent du service. Je dirais pas ça comme ça. Bonjour, Kamala Khan. On est que deux pour l'instant. On essaye de trouver Monsieur Stark. Oui, il nous faut une liaison neurale. Vous devez bien en avoir une quelque part. Toutes nos ressources ont été saisies par l'AIM et la plupart de nos agents se cachent. Mais j'ai peut-être une idée. J'envoie les coordonnées à votre terminal de mission. Je vous ferai le briefing en chemin. Dois-je lancer les moteurs du Quinjet, monsieur ? Quel Quinjet ? Où les Quinjet? Alors, toundra enneigé. Terminal de mission pour choisir la prochaine destination du Quinjet. Les coordonnées fournies par le commandant Hill désignent une région isolée dans la toundra. J'ai marqué son emplacement sur le terminal. Les missions critiques dans votre enquête sur l'AIM portent le symbole A des Avengers. Je me suis dit que c'était approprié. Parfait. Certaines missions vous conduiront à affronter des ennemis avec des capacités ou des modificateurs spéciaux. Je vous recommande d'examiner avec soin les paramètres de chaque mission et de vous équiper en conséquence. D'après nos rapports, les forces de l'AIM dans cette région utilisent des armes cryogéniques. Toute pièce d'équipement offrant une résistance au froid augmentera vos chances de réussite. Pas sûr d'en avoir, un modificateur, blizzard et pression. Pas de régénération de volonté automatique quand vous êtes dans un état critique. Des dangers de glace sont ajoutés à l'environnement. Ok. Tu savais qu'il était là depuis tout ce temps ? Pas du tout, je t'assure. Tu voulais juste faire un petit road trip en camping-car, pas vrai? Non. 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 Nouveau héros disponible. Hulk est maintenant disponible dans la section des héros. Je vais rester avec Kamala. Je vous donne accès à la fréquence sécurisée du Shield. Elle devrait vous mener au bunker. Attendez, je détecte des interférences.
Quelque chose bloque le tracker. Essayez de trouver ce que c'est. D'accord. Il faudra garder un œil sur lui, là. L'AFM a découvert le bunker, mais ils ont installé leur propre base dans la même zone. Essayez de ne pas vous faire repérer. Pastache, pas vrai, Hulk? Pas d'inquiétude. On va essayer. Là-haut, c'est un vaisseau de l'AIM. L'élément qui obstrue le signal devrait être quelque part par là. Sois vigilant. J'ai entendu. Je détecte une unité d'élite de l'AIM près de vous. Battez-la et vous obtiendrez peut-être quelque chose d'utile. Ah bon? Hé, ça me semble équitable. Elle où cette unité? Wow, wow, wow. Qu'est-ce qu'on met? Bah génial! Fichier codex supplémentaire. On peut trouver quelques coffres et tout ça, se mettre sous la dent. Moi je dis pas non. Bim! C'est joli ici en tout cas! Je peux prendre une photographie du paysage pour pouvoir l'admirer plus tard. Ah oui, désolé, on se concentre. Ok. On explore, hein, des fois qu'on tomberait sur des améliorations, des coffres. Je dois être plus près pour infiltrer le système. Il y a un conteneur de ressources spécial à proximité. Ah. Très bien. Ouh, dynamite, c'est cool. Vous allez devoir vous occuper de ce qui perturbe le signal avant de chercher le bunker. Mes excuses, continuez. Des dépôts, ok. Je me demande ce qu'il y a dans ce bâtiment de l'AIM. Si vous voulez en savoir plus, il devrait y avoir un mécanisme de verrouillage externe pour ouvrir les portes. Ah oui, une sorte d'interrupteur. Tu peux regarder si t'en trouves un par ici, Hulk? L'AIM est droit devant. Tu peux passer discrètement? Apparemment pas. Ok. Dame, ouvre-toi. Super. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Récupérer pas mal de ressources. Ouh, un coffre doré. Bien, résistance au froid, cool. Et pas mal de ressources. Alors, comparer l'équipement. Ok. Alors ça, on va le prendre parce que résistance au froid, on va le mettre. Par contre, celui-ci, c'est un ordinaire, donc on va le recycler. Celui-là, on va le garder quand même. Ça sent les ennuis. Ok. Ah,
Bim. Tu vas bien ? C'est fait. Il y a un coffre d'équipement à proximité. Où ça ? Où ça le coffre ? Ok. Ah, il y a un coffre tout là-haut. Des méchants. On y est. Un Avenger ? C'est sûrement cet endroit qui donne notre signal. Vous allez devoir affronter les forces de l'AIM. Tiens, un coffre du coup en hauteur là-bas, on a raté. On va leur montrer, mon grand. Bien. Ah oui, il faut qu'on se mette ici pour que ça charge. Bim. J'essaie de libérer le signal. Restez à proximité du système de sécurité. À distance du système de sécurité, s'il vous plaît. Allez, on va essayer de taper dessus comme ça, à distance. Oh oh, le gros. Tiens, encore un peu, t'inquiète. Ouh. Quand tu veux, Jarvis. Là, c'est un peu la mimi, c'est un peu la zézère, un peu la misère. Ces ennemis doivent être neutralisés. C'est bon ? Un petit peu froid là. Le signal devrait pouvoir passer maintenant. Ok. Sois parfaitement. Le tracker vous mènera jusqu'au bunker du Shield. Il faut suivre les bips. C'est parti. Le commandant Hill est toujours injoignable, hein. J'essaye de pas paniquer.
On va pouvoir se réchauffer, Hulk. Au fait, tu ressens le froid ? Les données ne sont pas concluantes. Oh oh ! Eh bah ! Trouver le bunker du Shield est plus difficile que prévu. Allez, bah poursuivons. C'est par là-bas. Petite mission dans la neige. Allez, ouvre la base. Il y avait le logo du Shield juste sous mes pieds. Je crois que j'ai trouvé. Beau travail. Espérons que la liaison neurale soit à l'intérieur. Tu vas bientôt pouvoir être de nouveau toi-même, Jarvis. Merci. Il est assez déplaisant d'exister sans bénéficier d'un accès instantané à toutes les informations de l'univers connu. Tu m'étonnes. Ça fait quoi ? De pas avoir de liaison, je veux dire. C'est comme une sorte d'amnésie ? Je ne suis pas certain de ce que l'équivalent humain pourrait être. J'imagine que ce serait comme être interdit de bibliothèque. Oh, comme quand Ami éteint le Wi-Fi. Par exemple. Wow, regarde-moi tout ça. On va devoir fouiller partout. Oh là là. Le vieux bunker du Shield. Alors 17 mètres par là-bas, il y a un coffre. On va aller voir. Voilà. On arrive, on casse tout. Ça se passe comme ça chez nous. Au moins, on trouve pas mal de choses. Des ressources, il y a de l'équipement. On arrive de par là-bas. Là, il y a de la vie. Quelque chose me dit qu'on va pas être tranquille longtemps. On va prendre les ressources. Oh, iso jaune. Équipement. Pas pour nous, ça. Alors, ça. 36% de chance que les combos fatales légers octroient un bonus de défense. Ok. Peut-être. Bon, on va descendre. On fait le tour hein, avant de d'améliorer quelque chose. Allez, poursuivons. Oh, wow. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que nous avons déclenché un système de sécurité secret du Chine. Avenger détecté. Bonjour Avengers. Ça fait longtemps. Nick Fury ? Si vous entendez ça, alors le pire est arrivé. Ils m'ont eu. Et ça veut dire que j'ai besoin de vous plus que jamais. J'ai toujours craint que le Shield s'effondre. J'ai donc fait en sorte qu'il puisse se relever. Voici les protocoles du Shield. Le Shield fut créé pour défendre le monde. Dans un moment comme celui-ci, où tout semble perdu, nous devons nous lever et faire front. Rendez-moi service.
Apportez ces protocoles au sous-directeur actuel. Ils permettront aux Shield de se reconstruire. Ok. Bonne chance, Avengers. Terminé. C'était Nick Fury, le directeur du Shield. C'est ça. Les protocoles dont il a parlé doivent être à l'intérieur. Eh bien, on va lancer les protocoles. D'abord, il y a un petit coffre. Oh, il y a plein de petits coffres. Et c'est parti. Protéger la liaison. Je pense pouvoir transférer les protocoles sur un serveur sécurisé. On doit rapporter ces données aux chimères. Tu penses qu'on peut s'occuper d'eux ? C'est parti. Allez. On ça. Les faire mumuse avec maman. Ah oui, 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 je suis avec Kamala, sinon j'aurais dit papa. Viens voir papa. Et il y en a d'autres. Hein. Oula, oui, ils sont nombreux. Hop là. Ok. On a tout fait péter. C'est que j'ai éclaté en hauteur. On sait rien. Comment il est passé à côté de moi? Comment il m'a ignoré? Oh, oh, oh. Un vengeur aussi, moi. Presque. Où les méchants? Les fichiers sont sécurisés. Et on a la liaison neurale. Bon travail. Top là. Fichons le camp d'ici. Parfait. Mission terminée. Alors, on a eu des super bracelets, bracelets étincelles adeptes, 22% de chance de frapper un ennemi avec une attaque critique à distance, octroie un élan d'héroïsme. Oh ! Prochain bonus, les ennemis saisis subissent des dégâts électriques continus. Pas mal. Maintenant que la liaison neurale a été installée avec succès, j'ai accès à toute ma base de données. Le directeur Hill examine les protocoles Shield que vous avez également récupérés. Tu te sens mieux, Jarvis ? Tout semble être en état de marche. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente pour moi, pour le Shield. Merci, Bruce. Et merci, Kamala. Avec ça, je vais pouvoir commencer à reconstruire le Shield. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je pense qu'on va se voir beaucoup plus dorénavant. Avec plaisir, Madame la Directrice. Est-ce que je suis censée faire un salut ou... Non, ce n'est pas la peine. Bonne chance à tous les deux. Jarvis, tu crois que tu peux nous trouver Tony ? Il va me falloir un moment, mais je devrais pouvoir trouver Monsieur Stark. En attendant, j'ai trouvé quelque chose qui devrait intéresser Mademoiselle Khan dans la salle armes. Dans la quoi ? La machine de réalité augmentée holographique. Les Avengers l'utilisent pour s'entraîner. Wow, ça a l'air génial ! Bon, on l'avait fait sur la bêta, ça. Cependant, je préfère vous prévenir que le système risque d'être inconstant. C'est pas dangereux? Le risque de blessure est de 0,0001%. Ok. Je te fais confiance, je crois. Traversez les quartiers de l'équipage. La pièce arme est située à l'étage inférieur du hangar. Merci, Jarvis. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense que tester le labo d'entraînement, je le ferai en off. On l'avait déjà vu sur la bêta et c'est pas forcément intéressant à vous montrer. On est juste dans une salle et en fait, il y a des vagues d'ennemis et qu'il faut taper. Pas le plus important.
Donc je pense que je ferai ça, et on se retrouvera de toute façon tout de suite après pour continuer notre campagne, notre aventure sur Marvel's Avengers. J'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire. On se retrouve très rapidement pour la suite, je vous fais plein de bisous. Très belle continuation à toutes et à tous. À très vite, bye bye.